Merde, où sont mes chaussures? Je dois bientôt partir. Où sont mes chaussures? Apporte-les-moi. Pourquoi mes cheveux sont tellement emmêlés? Ils étaient mieux hier. Les filles, vous pensez quoi de ces barrettes? Est-ce qu'elles iront avec ma robe ou pas? Les filles, arrêtez vos histoires. On sera toutes prêtes à l'heure. À l'heure? Mais on est déjà en retard. Mais c'est pas possible, ces cheveux, ils ont plein de nœuds. Salut les filles, on peut vous emprunter du rouge à lèvres? On a laissé notre maquillage à la maison. Elle ne devait pas partir en taxi hier? C'est quoi ça, Diana? Le taxi n'a pas accepté de venir jusqu'ici. Très bien, prenez ce mascara et ce rouge à lèvres et sortez d'ici. Merci, Diana. On a fait le lit et on a sorti les poubelles. Tout est propre, merci. Les filles, aujourd'hui est un jour tellement magique que ni Yana ni Lialia ne pourront le gâcher. Moi, je suis tellement excitée pour ma danse avec Timur. Je n'arrive pas à croire que ça va se réaliser. Les filles, moi, je n'ai pas envie de me préparer. Les filles, aidez-moi pour ma robe. J'ai envie de la mettre. Les robes. Les robes. Vous êtes tellement jolies. Attends, Yana, tu avais une autre robe hier? Oui, Lialia, je l'ai échangée pendant que Diana dormait. J'aimais mieux celle-là. Allez, allez, et voilà. Ouf, les filles, enfin. Mais je crois que je n'aime plus trop ma robe. Diana, tu es si jolie. Vraiment? Oui. Très bien, on reste comme ça. J'ai choisi cette robe, donc je vais la porter. Diana, attends, ce n'est pas la robe que tu avais prêtée à Yana hier? Sérieusement, elle nous l'a rendue. Elle ne l'aimait pas? Ça veut dire qu'elle va fêter la nouvelle année sans robe. Très bien, les filles, allons conquérir les garçons. Allons-y. Wouh! Yalia, tu es magnifique. Oh, merci, tu es encore plus belle. Je trouve que nous sommes bien plus belles que les filles de la chambre d'en face. Yana, tu sais quoi? Toute l'école sera sous le choc quand ils nous verront. On y va? Oui. Waouh! Burk! Yana, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma robe? Merde, Diana, elle a perdu la tête, elle a changé de robe. Ouais, c'était la tienne. Maintenant, c'est la mienne, elle me va mieux. Tu sais quoi, Yana? Tu as de la chance aujourd'hui car je suis de bonne humeur. Sinon, je te l'aurais enlevée et tu serais allée à la fête toute nue. N'essayez même pas de faire quelque chose de stupide là-bas. On verra bien. Merde, on a vraiment une sale tête aujourd'hui. Je dois mettre du fond de teint. Et moi, du primer. Salade, dépêche-toi, je dois aussi me maquiller. Merde, Karina, je pense au visage de Dima quand il verra comme je suis jolie. Et moi, à la tête de Kostia quand il me verra sans maquillage. Zouza, c'est l'angoisse, je suis nerveuse, je suis inquiète. Ne t'inquiète pas, Groucha, tu as une robe magnifique, tu seras simplement superbe. Ah oui, Zouza, tu crois ça? J'espère seulement que je pourrai rentrer dedans. Moi, j'espère que Patrick ne sera pas fâché contre moi parce que ma robe est trop courte. Ma robe est tellement belle. Je vais être comme Cendrillon aujourd'hui. Je vais ressembler à une fée. Elle est magnifique. Toute l'école sera émerveillée. Ouais, à 100%. Groucha, je te le promets, on est les plus belles filles de la fête. C'est vrai, Zouza, on est les plus belles. Ok, c'est parti. Waouh! Zenia, mais t'es tellement belle. Toi, tu es encore plus belle. Alors, on va à l'école? Oui. C'est vrai que nos robes sont très belles, mais nos cheveux sont encore tout mouillés. Eh bien les gars, bienvenue à la fête de l'école. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire la fête sans les filles? Non. J'ai compris, une fête sans les filles n'est pas une fête. Alors saluons les filles de l'école des Bunnies. Eh bien tout d'abord, saluons les superbes Karina et Salad. Nous sommes les filles les plus cool de l'école. Salad est tellement génial. Il suffit de regarder Karina. Alors les gars, voici vos filles. Et accueillons les suivantes. Les perdantes. Salad, t'es une bombe. Je sais. Tu as l'air tellement cool ce soir. Bonsoir les garçons. On a fait notre maximum pour être cool. Vous en pensez quoi? Vous aimez? Oh mon dieu les gars, je suis aveuglé. Groucha, t'es vraiment belle. Et Zouza ressemble à un bonbon. Les gars, prenez vos filles et ensuite on va saluer les pom-pom girls des Frogs. Veuillez accueillir les plus dopés des pom-pom girls, les Frogs. Cette fois on est célibataire, mais l'an prochain on aura quelqu'un. Très chic, juste chic. Où sont les Bunnies? Elles vont déchirer tout le monde.
J'aime Zenia, je vais en faire ma petite amie ce soir. Presque toutes les filles sont ici. Mais nous les attendons les plus jolies et les plus intelligentes. Les reines de l'école, les pom-pom girls Bunny. Veuillez accueillir les stars de cette école. Les pom-pom girls Bunny. Les filles, vous êtes superbes. Vous êtes les stars de cette école. Mais on est meilleurs, c'est nous les meilleurs. Bien sûr, tu as vu, leurs robes sont horribles. Dis-moi, tu vas pas regarder Diana, hein? Aujourd'hui, je ne vais regarder que dans ta direction. Les bunnies sont les reines. Alors, Smile, je te plais? À fond. Merci. Knoppa, tu es si belle. Merci, Timo. Tu es si jolie aujourd'hui. Merci, Max. Où est Ice? Où est Ice? Ah oui, c'est vrai, il n'est pas là. Ici, nous avons les plus belles personnes de notre école. Mais nous avons deux célibataires. Bros et Nastia. Merci, professeur Mike, mais je ne veux pas être avec Bros. Je préfère être seule. Moi, pareil. Comme vous voulez. Joyeux réveillon et que la fête commence. Quoi? Une fête sans nous, les rats? Vous nous avez oubliés? Comment a-t-il pu les oublier? Mais qui a besoin d'elles? Elles ne savent que gâcher la fête. Cette robe me dit quelque chose? Smile, laisse tomber. On a oublié deux filles, mais maintenant tout le monde est là. Que la fête commence. Dommage que vous nous ayez oubliés, professeur Mike. Dommage. Tu sais ce que je souhaite pour la nouvelle année? Quoi? Que nous restions ensemble. Cool. Et toi? Je ne sais pas. Patrick, tu me trouves jolie? Tu es la plus belle fille de la fête, Zouza. Patrick, je sais. Merci. Diana, je suis si heureuse. Knoppa, moi aussi. Les gars, faisons la fête. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Lélia, j'espère que quelqu'un va nous inviter à danser. On ne va pas attendre, allons danser ensemble, ok? Je ne comprends pas, on est tellement belles, mais personne ne nous invite à danser. Parce que tous les garçons ont déjà une copine. On n'a qu'à danser ensemble. Ok. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien du tout. Je ne vais pas danser avec toi, j'aime déjà une autre fille. Je m'en fous. Zenia, puis-je t'inviter à danser? Non, elle danse avec moi. Désolée, mais je veux danser avec un garçon. Allez vous faire voir. Il fait si chaud, allons prendre une limonade. Ok. Attends une seconde. Mais où vas-tu? Je reviens. Alors Diana, buvons pour que nous soyons ensemble pour toujours. D'accord. Diana, tu aurais une minute? Knoppa, ce n'est pas le moment. C'est très important. Smile, juste une minute. Ne traîne pas, Diana. Professeur Mike, merci pour la fête. Amuse-toi bien, Smile. Tu as toujours le timing parfait. Je parlais à Smile, tu n'as pas vu? Je sais, mais c'est une urgence. Est-ce que t'as un chewing-gum? Oui, j'en ai un. Tu vois, je vais embrasser Timur et j'ai besoin de rafraîchir mon haleine. Parce que j'ai mangé de la salade avec des oignons. Oui, je comprends. Tiens, Knoppa. Et bonne chance. Merci, Diana. Nastia, pourquoi tu ne fais pas la fête? Pourquoi est-ce que je ferai la fête? Je suis seule, Ice n'est pas là. Je ne m'attendais pas à fêter Nouvel An comme ça. Nastia, pourquoi tu t'en fais? C'est la fête du Nouvel An. Il faut que tu fasses la fête et que tu t'amuses. Tu verras Ice après le Nouvel An. C'est vraiment pas drôle de fêter le Nouvel An comme une célibataire. Nastia, je t'ordonne de ramener ton cul sur la piste de danse, compris? Nastia, désolée, je vais te prendre Diana. Nastia, je te le redis, ne t'en fais pas. Bros, où est-ce qu'on va? Il fait chaud là-dedans. Allons prendre l'air et discuter. D'accord. Mais où est-ce qu'il croit l'emmener? Je suis en train de perdre mon ami. Dis-moi, je suis fatiguée. Mais on est à une fête, allons danser. Laisse-moi me reposer encore une minute. Diana aurait pu danser toute la nuit. Dis-moi, ne me compare pas à Diana. Tu sais quoi, Yana? J'en ai marre que personne ne m'invite à danser. J'y vais. Où ça? Grusha, je peux danser avec ton petit ami? Non, Lialia. Grusha, allez, c'est une fête, il faut partager. Mon petit oiseau. Karina, on va encore danser longtemps? Jusqu'au lever du soleil. Moi aussi, je veux danser avec un garçon. Kostia, je peux danser avec toi? Kostia, quoi? Karina, je t'aime. Il t'aime, c'est juste pour une petite danse. Quel culot, Kostia, juste une danse? Pourquoi a-t-on quitté la fête? C'est vrai ça, pourquoi? Il y a la fête là-bas. Les gars, pour le Nouvel An, je veux qu'on se fasse des promesses. Quoi? Ne vous en faites pas, on vous laissera pas. Mais non, les gars, je ne parle pas de ça. Je veux que notre groupe reste uni. L'année prochaine, qu'on soit toujours aussi proches que maintenant. Et je souhaite le meilleur à chacun d'entre nous.
Et moi, je voudrais bien que vous, les filles, promettiez que vous ne nous quitterez pas l'année prochaine. On vous le promet. Et donc, vous aussi? Je te promets, Diana, il n'y aura pas de problème. Eh bien, moi, j'aimerais bien que Knopa me promette d'aller au cinéma avec moi de temps en temps. Hein. Knopa? Heureusement que vous avez parlé à mes parents, mais ils ne me laissent pas sortir tard. Nastia? Quoi, Nastia? La fête est terminée pour moi. Je rentre à la maison. Nastia, pourquoi as-tu été de mauvaise humeur toute la soirée? Sérieusement, les filles? Vous m'avez laissée toute seule. J'étais toute seule et vous m'avez laissée. Est-ce que j'appartiens à votre groupe? Oups, les filles ont des problèmes. Mais pourquoi ce n'est-il pas avec elle? Nastia, bien sûr que tu fais partie de notre groupe. Enlève ta veste et assieds-toi avec nous. Au fait, on est en train de partager nos bonnes résolutions. Quelle bonne résolution? Que l'an prochain, notre groupe sera toujours uni et ne se séparera pas. Eh bien, Bros, que voulais-tu me dire? Zenia, pour être honnête, je t'aime beaucoup. Vraiment? Je t'aime bien aussi. Eh bien, je suis célibataire, t'es célibataire, peut-être qu'on peut essayer quelque chose. Sérieusement? Tu voudrais sortir avec moi? Eh bien oui, nous ferions un beau couple. Bros, je... Ah, vous voilà tous les deux. Zenia, comment as-tu pu? Tu as suivi Bros et tu m'as laissé. Tu m'as abandonné à la fête. Blondie, mais pourquoi tu te fâches? Pourquoi les amis se mettent-elles toujours en travers de relations? Et pourquoi les petits amis se mettent toujours entre les meilleurs amis? Pourquoi? Blondie, laisse-nous tranquilles. Aujourd'hui est un jour si merveilleux. On en reparlera plus tard. Il n'y aura pas de plus tard, parce que tu n'es plus mon amie. Blondie. Fais-moi confiance, elle va se calmer. Alors quoi? Tu penses qu'on peut être ensemble? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. C'est bon, Zenia sera à moi et Blondie ne restera pas entre nous. Oh, est-ce que je suis bien? Oui, Knopa, très bien. Je suis tellement nerveuse. Je fais quoi? Je m'approche et je l'embrasse? Knopa, vous êtes ensemble. S'embrasser est une chose normale pour vous. D'accord, c'est vrai, t'as raison. Je vais l'embrasser. Knopa, arrête de trembler. Vous sortez ensemble ou pas? On est ensemble. Ok, dans ce cas, vas-y et embrasse-le. Ok, bon, j'y vais? Oui, et bonne chance. Quelle fête cool aujourd'hui! Je vais rejoindre Smile. Smile! Diana! Tu sais quoi? Tu sais quoi, Diana? On n'aime pas ces robes. Elles sont bien trop lourdes. Tu as fait exprès de nous les donner. Pour qu'on ne danse pas toute la nuit. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose que vous n'aimez pas? Pourquoi êtes-vous toujours contrariée? Hier, elle vous convenait bien. Arrête, Diana. Attends, enlève la robe. Les filles, vous êtes folles? Je veux porter la tienne. Et tu mettras la mienne. Les filles, non! Oui, Diana, c'est comme ça. Max, t'as vu Diana? Non, Marie, tu sens très bon. Je sais. Dima, t'as vu Diana? Je ne m'occupe pas de Diana ces temps-ci, tu n'as pas remarqué? Merde! Blondie, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Lâche-moi, tu ne vois pas que je danse? Va plutôt parler à ton petit ami. Tiens, Patrick. Eh bien, les gars, vous savez quoi? Dans pas longtemps, je vais fêter mes 17 ans. Et vous savez ce que j'ai décidé? J'ai décidé de déménager. Zouza parle si fort quand c'est tout ce qu'elle veut déménager. Elle ment. Elle disait la même chose l'année dernière. Les gars, je peux rester avec vous parce que Zouza délire complètement avec son conte de fées. Les gars, vous avez vu Diana? Non, on ne l'a pas vue. Je crois qu'elle est avec Knopa dans les toilettes du café. C'est bien qu'elle soit avec Knopa, merci. Knopa, qu'est-ce qu'on fait ici, hein? À ton avis? Je ne sais pas. J'ai envie de t'embrasser. Ok, d'accord. Knopa, attends, as-tu mangé des oignons? Tu sais que je suis allergique à... Oups, donc on ne s'embrasse pas? Bien sûr que non. Si tu veux sortir avec moi et m'embrasser, tu dois arrêter de manger des oignons. Dommage. 1, 2, 3, 4, 5. Les filles, je ne vous donnerai pas ma robe. Ah, tu crois ça, Diana? Diana, tu vas nous donner cette robe, car je veux danser avec. Tu comprends pas que tous les gars nous évitent, parce que nos robes sont trop longues pour danser avec eux. Les filles, laissez-moi tranquille. D'abord, c'est ma robe. Ensuite, c'est ma fête. Et je dois rejoindre Smile. Au revoir. Si tu ne veux pas comprendre, on va passer la fête ici. Ouais, toutes les trois. Et ton Smile dansera avec quelqu'un d'autre. Merde, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année? Que vous soyez plus gentilles. Et notre souhait est de passer cette fête avec toi. Aux toilettes. Les filles, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Ça non. Diana? 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 Chut!
Non, les filles, je ne vais pas me taire. Smile, je suis dans les toilettes. Yalia et Yana m'ont enfermée. Diana, tais-toi. Smile ne doit pas savoir que nous sommes avec toi. Non, les filles. Smile, va chercher la clé de secours, car elles ne veulent pas me laisser sortir des toilettes. Tu fais une erreur. Bibi, une seconde. Diana ? Smile ? Smile, on ne fait que discuter. Oui, bien sûr, on discutait. Tu sais quoi, Smile ? Yana voulait me prendre ma robe. Smile, merci. Je t'en prie, bande de tarés. S'il n'y avait pas de fête, je vous mens. Smile, calme-toi. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va danser ? Allons-y, Yana. Smile, tu es mon héros. Les gars, Smile et moi, nous voulons vous souhaiter une heureuse année. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. Bonne année à tous, à bientôt, au revoir. Allez, allons faire la fête.